Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'utiliser un aspergeur du Brave à une station service. Alors les aspergeurs du Brave, c'est tout simplement ces items là. Donc c'est des items de soins que vous pouvez trouver aussi un peu partout. Donc soit posés au sol, soit dans des coffres. Mais principalement, vous allez en trouver dans des glacières. Donc les glacières, c'est comme ceci. Voilà. Donc ça c'est une glacière, hop. Et dans ces glacières, vous allez pouvoir trouver des requinqueurs, des aspergeurs du Brave plutôt, très facilement. Donc pour vous aider à trouver une glacière, je vous affiche une map avec tous les emplacements des glacières de Fortnite chapitre 3. Donc dès que vous avez un requinqueur, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser ce requinqueur. Je me trompe, c'est pas requinqueur, c'est aspergeur du Brave, excusez-moi. Donc dès que vous avez cet aspergeur du Brave, ce que vous allez devoir faire, c'est de l'utiliser dans une pompe à essence. Donc pour vous aider à trouver une pompe à essence, je vous affiche une map avec tous les emplacements des pompes à essence de Fortnite chapitre 3 saison 1. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais me rendre à une pompe à essence et je vais utiliser mon aspergeur de Brave. La glacière, j'ai ouvert la glacière et en fait juste à côté il y a une pompe à essence, donc regardez juste là. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement utiliser l'aspergeur de Brave, une seule fois je crois, pour terminer le défi. Attendez, je vérifie si c'est bien une seule fois, mais je crois que oui. Donc oui, c'est bien ça, utiliser une seule fois l'aspergeur du Brave à une pompe à essence. Donc vous rentrez, hein, même s'il faut, vous rentrez dans la pompe à essence, vous utilisez l'aspergeur de Brave et comme ça vous aurez terminé le défi. Alors il y a une autre possibilité aussi de pour trouver des aspergeurs du Brave, c'est à Greasy Groove. Donc il y a le marchand de tacos là, le personnage tacos. Lui, il vous vend des aspergeurs de Brave épicés. Donc, si jamais vous allez pouvoir l'acheter aussi vers ce personnage-là pour réaliser le défi. En plus, il y a une pompe à essence juste à côté. Donc, juste ici, regardez, il y a une pompe à essence. Donc, voilà, vous achetez votre aspergeur de Brave au personnage, vous allez à la pompe à essence et vous utilisez votre aspergeur de Brave pour terminer le défi. Et dès que vous aurez utilisé l'aspergeur à la pompe à essence, voilà, vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulo Mike et ciao. Peace.